Bonjour à tous, on est mardi et on se retrouve aujourd'hui encore pour une nouvelle séance de coaching, un circuit training. 6 exercices aujourd'hui au programme comme la semaine dernière, 35 secondes d'effort, 20 secondes de récupération. J'espère que vous êtes prêts, que vous êtes motivés. Aujourd'hui, encore une fois, je suis bien accompagné puisque je suis avec Mehdi qui est président du club de Vélo Jeune Aventure, donc le club de VTT des Rouilles Saint-Clair. Mehdi, je te laisse présenter un peu la structure. Allez, bonjour à tous, donc Mehdi Dubois, on est, donc, je suis président de Jeune Aventure, on est un club de VTT, école de VTT labellisée Fédération Française de Cyclisme, on est une soixantaine d'adhérents. Notre but c'est de faire débuter les jeunes au VTT et les amener jusqu'à la compétition, voire nationale. Donc les entraînements sont tous les samedis après-midi, on a 4 spots d'entraînement, Hérouville-Beauregard, on a Mutrecy, Forêt-Grimbault, Baron-sur-Odon. Et on roule aussi à Feugrolles où on organisera une course au mois de septembre. Okay. Voilà. C'est vrai qu'on n'est pas malheureux pour les spots de VTT ici. Donc, ouais, non, c'est très cool. Si vous voulez vous initier au VTT, surtout n'hésitez pas, Vélo Jeune Aventure à Hérouville. Allez voir Mehdi, il sera très content de vous recevoir. En attendant, c'est moi qui suis content de vous recevoir aujourd'hui, messieurs. Je vous ai préparé une bonne petite séance. On va travailler un peu les cuisses, on va travailler le gainage, un total body comme on dit. Dans le jargon, ok, on s'est chauffé nous déjà un petit peu auparavant, donc je vous rappelle, mobilité articulaire, un petit peu de talons-fesses, de montée de genoux, un peu de squat pour commencer à chauffer tout ça. Nous, on a tout vu, on va juste remontrer ensemble les 6 exercices, ok, qu'on va faire ensemble avant de commencer, et après on pourra partir. Donc pour l'exercice 1, on va partir sur un squat dégagé, donc on va rester en squat bien bas. Voilà, donc je vous rappelle les squats, les pieds largeur bassin. Ok, pied largeur bassin, resserre un petit peu tes cuisses. Ok, le menton bien relevé, les abdos contractés. Et là, on va venir, tac, dégager le pied comme ça. Et on va rester bien bas. Ok, et on va faire ça pendant 35 secondes. Plus vous allez descendre, bien sûr, plus ça va brûler les cuisses. On va enchaîner directement avec un exercice aussi pour les jambes, puisque ça sera des fentes sautées. Hop, hop, voilà. Donc là, j'ai des sportifs bien aguerris qui savent très bien les faire. Bien sûr, n'oubliez pas, les fentes, vous pouvez juste faire comme ça, tac, revenir sans les sauter. Hop, je vous rappelle sur une fente, genou à 90, le genou bien au-dessus du talon. Ok, le menton relevé, les abdos serrés, le buste droit. Et voilà, ça sera pour l'exercice 2. L'exercice 3, on passera au sol. Hop, on se mettra en quadrupédie. Voilà. Tac, donc les poignets bien sous les épaules. Ok, et là on va venir lever la jambe droite en même temps que le bras gauche, en regardant bien le sol. Ok, et là pour ceux qui veulent, on va ouvrir bras gauche, jambe droite, refermer, tac, et je referme, je fais pareil avec l'autre jambe. Ok, parfait, t'as pas besoin d'ouvrir autant la jambe, ok, un tout petit peu, ça suffira. Hop, ok, on contracte bien les fessiers, on serre les abdos. Ça sera pour l'exercice 3. L'exercice 4, on passera en gainage latéral. Hop, gainage latéral, sur les pieds, ou si vous voulez, avec un genou au sol, et voilà. On se dit qu'il y a un fil ici qui nous tire vers le haut. Ok, on contracte bien les abdos, on serre les fesses. Hop, comme ça ou comme ça. On rajoutera des petites difficultés au fur et à mesure des toits. Donc, gainage latéral gauche, gainage latéral droite. Et ensuite, pour terminer, un abdo quand même. Pour être beau à la plage, c'est important. Grouper, dégrouper. Donc, je viens chercher mes talons. Hop, et j'allonge. Tac, je referme. Et j'allonge. On prend bien son temps. Okay. Le but, c'est de bien contracter les abdos et de bien maîtriser son geste. Ok? Ok, j'espère que c'est bon pour vous. Nous, on part. 35 secondes d'effort, 20 secondes de récupération. Dans 5 secondes. 3. Allez. C'est parti. Pousse le bras. Allez. Voilà. Allez, on maîtrise bien son geste. Voilà, les fesses bien derrière, le menton relevé. Voilà, pas besoin d'aller vite. Ok, nickel, vous êtes bien placé les gars. Parfait. Moi. Marconi. Allez. Tout va bien. On a de la chance aussi, c'est beau. Ok. Ça roule un peu. Vous les cuisses, ça va, c'est facile pour vous. Ah, nickel. Des VTTistes doivent faire travailler les cuisses. Facile, très facile. Ok, on part sur les fentes sautées. Donc, eux, ils vont faire les fentes sautées. Moi, je vais pas les faire sauter. Ok, allez, c'est parti.
On y va, on fait des belles fentes, hein. On prend son temps. Voilà, on peut sauter. Voilà, il faut bien maîtriser son geste. Parfait, vous voyez le genou, il part pas en avant. Leur genou, il n'est pas devant le pied, donc c'est très bien. Ils sont bien placés. Allez. Ok, repos. Pour les fentes et les spots, vous n'êtes pas obligé de vous mettre sur votre tapis de luxe. On a mis des tapis. Du coup, on passe au sol. Donc prends-le maintenant là parce que. Terminé pour les jambes pour le premier tour. Ok. On passe quadripédie. Allez. C'est parti. Jambe gauche, bras droit. Pour ceux qui veulent, on ouvre, on referme, on baisse. On allonge, on ouvre, on referme. On contracte bien les fesses. Vous pouvez, si vous voulez, juste allonger bras gauche, jambe droite, sans ouvrir. Contractez bien vos abdos. Maîtrisez bien votre geste. Vous ne devez pas être déséquilibré. On regarde bien le sol. Voilà, pas de douleur au niveau de la nuque. Allez, on décompose bien son geste. On allonge, on ouvre, on ferme, on ramène. Parfait. Ça va ? Nickel. Ok, parfait. Gainage latéral. Je vous rappelle, soit avec un genou au sol, soit les deux pieds au sol. Allez, 2, 1, et c'est parti. Allez. Allez, on contracte bien les abdos, on serre les fesses. Hein. Je vous rappelle, il y a un fil vraiment qui tire sur votre taille et qui vous monte au ciel. Voilà, avec un genou au sol. Très bien aussi. Allez, gainage statique. Parfait, messieurs. Voilà, on a du sportif ici, on a du sportif. 2. Repos. Nickel. Vous êtes prêts? On change de tour, de sens, hein. On va pas rester bancal. On fait un côté, on fait l'autre. Bien sûr. Forcément. Deux, un, allez, c'est parti. Allez, je veux une belle planche, hein, ça ne bouge pas. Et voilà, comme quoi il fait toujours beau en Normandie. Comme la semaine dernière, on a le droit à un grand soleil aujourd'hui. Allez, allez, allez. Allez, on reste le droit. J'ai rien à dire. Un, repos. Ok, restez au sol, on passe sur les abdos. Et après, on aura déjà fini notre premier tour. Nickel, nickel. Je vous rappelle, on est ici et on dégonfle. Ok. Pour ceux qui ne peuvent pas, on peut faire une jambe, ramener une jambe, je ramène une jambe. Ok. Et toujours avec le sourire, bien sûr. Allez. On allonge bien les bras derrière. Voilà. Repos. Parfait. Fin du premier tour. Nickel. Voilà. J'avais tous les exercices. Là, on a fait le premier tour. On peut dire que c'était pour finir l'échauffement. Maintenant, on met un peu plus d'intensité. On descend un petit peu plus bas. Et on envoie du steak. Ok, c'est parti pour les squats dégagés. On descend bien bas, pour ceux qui veulent. Allez, c'est parti. Allez, le menton relevé, on regarde bien devant soi. Allez, on est sur le deuxième tour. On commence à bien respirer. Nickel. Je vais vous dire qu'après ça, quand vous allez appuyer sur les pédales là,
La côte de l'Élysée là-bas, à Colombelle, là, ça va être un régalade. Ok, parfait. Ça fait combien de temps que tu fais du VTT? 3 ans. 3 ans. Bien ça. C'est son beau VTT qui est derrière. Comme vous vous demandiez. Allez, c'est parti. Allez, allez. Nickel. Des belles formes. On descend. Allez. Redresse ton buste. Mets-toi droit. Allez, allez, allez. Nickel. Allez, on récupère, on va passer le sol. Faites souvent de la préparation physique un peu pour vous VTT ou pour vous. Si, vous en faites. Ouais, il faut. C'est important, on fait sport. Ah. On fait une chose. Allez, allez. C'est bien son geste. Parfait. Quand on ouvre, ça sert bien le fessier. On doit sentir que ça vient du fessier. Ok, repos. On reste au sol, on passe sur le gainage latéral. Pour le deuxième tour, sur le gainage latéral, on va rajouter une petite difficulté pour ceux qui veulent. Quand vous êtes ici, vous allez ramener le genou sur le coude. Tac. Tac. Allez, c'est parti. Voilà. C'est vraiment une option. Si vous voulez rester là, vous restez là. Si vous voulez faire sur les deux pieds, vous faites sur les deux pieds. Allez, messieurs. Allez, de temps en temps, on n'hésite pas. Voilà, parfait. Exactement. On n'est pas obligé de le faire tout le temps. Et bien sûr, on a le sourire. Allez, on serre bien ses abdos, on serre les fesses. Ok, repos. Nickel. Allez, on a fait Yin, on fait Yang. Je vous rappelle, vous êtes là. Vous êtes là, celle fois-ci. 2, 1, allez, c'est parti. Allez, on serre les fesses. Allez, on se redresse. On se force, on contracte les abdos, voilà. Et comme ça, ça fait tout sympa. Allez, allez, allez. Hein, repos. Parfait. Ça va? Ça va. Nickel. Allez, dernier exercice du deuxième tour. Très bien. Nous, on a de la chance, on est dehors. Ça permet de nous aérer un peu. Quand on est en intérieur, il fait chaud pour faire cet exercice. Allez, on groupe, on dégroupe, on prend son temps. On groupe, on dégroupe. T'as pas besoin de relever les épaules en fait, tu vois. Tac, tu ramènes ta tête au niveau de tes genoux en fait. Voilà. Parfait. Nickel. Fin du deuxième tour. Allez. On se remet debout, il nous reste qu'un seul tour. Aujourd'hui, on est parti sur 3 tours. Ok.
Il vaut mieux faire 3 tours et les faire bien. Après, si chez vous, vous voulez faire 4, 5 tours, vous pouvez. Mais nous, on part sur 3 tours aujourd'hui. Ok ? Allez. Allez, on y va. Allez, ça va rouler. Et si vous voulez, vous pouvez le faire sauter pour la fin. Allez, on y va, on met de l'intensité, mais on reste bien bas. Les abdos, ils sont serrés, là. Nickel. Allez, on souffle bien. Allez, on y va. Allez, allez, encore 10 secondes. Allez, on y va. Allez, bas sur les cuisses, là. Ok, nickel. Aujourd'hui, on n'a pas un gros cardio dans les exercices. Ok, on travaille beaucoup plus en profondeur. Pas forcément transpirer comme jamais pour bien travailler. Allez, c'est parti pour les fentes. Allez, messieurs, on y va. Allez, on descend bien bas sur les fentes. C'est le dernier tour. On y va, on casse les fibres. Allez. Oui. Oui, Mehdi, allez. Allez, allez, allez. Yes. Parfait. On va terminer avec les gens. On les laisse tranquilles pour aujourd'hui. Allez, c'est parti. Allez, on maîtrise bien son geste, c'est le dernier tour. On contracte bien les abdos, on serre les fesses. Hein. Notre bassin, il ne doit pas bouger là sur cet exercice-là. On regarde bien le sol. Allez. Ok, repos. Ça va, il y a le sourire et tout, c'est facile pour eux. Il faut ça avant de démarrer la saison. Il faut, c'est très très important. Alors, sur le gainage latéral, moi je me mets debout parce que je veux vous regarder, mais je vais rester au sol. Allez, c'est parti. Commence pas à gruger des secondes là, hop hop hop. Brigade des secondes, je suis là. Allez les gars. Oui. Oui, nickel. Que quand tout le sang, ok, ouais. N'oublie pas, t'as un fil qui te tire là-haut là. Voilà, ouais. On remonte. Bien dans l'axe, parfait. Allez, 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 allez. 10 secondes. Je vous rappelle, ils sont sur les pieds. Vous pouvez mettre votre jambe du dessous pliée à 90. Allez, on s'affaisse pas. 3 secondes. Cool. Ouais, t'es facile celui-là. Dans ce tour-là, là, moi j'étais. C'est bien. Allez, on change de côté. Oh, une petite bête. Venu l'ami des bêtes. Allez, c'est parti les gars. Allez, allez, allez. Allez, nickel. Allez, on serre fort les abdos, on serre fort les fesses. On est sur la fin. Allez, messieurs. 2, 1, terminé. Restez au sol, restez au sol, il y a le gainage. Il y a les abdos. Fou, pour être beau à la plage cet été. Important quand même. Encore du boulot. Je vais pas dire torse nu sur le VTT parce que c'est pas. Ça serait bizarre. Mais de pouvoir aller à la plage quand même, c'est important. Allez, groupé, dégroupé, dernier exercice, on prend son temps, boum. On descend bien bas, on contracte fort les abdos. Ton dos il doit rester au sol. Ton dos reste au sol, tu vois. C'est tes épaules qui remontent.
suis allongé, là, je remonte les épaules. Allez. Allez messieurs. Go go go, 10 secondes. Et le pot terminé pour aujourd'hui. Ah, ça va? Ouais, très sympa. Voilà, parfait. Donc on a fait 3 tours aujourd'hui, 6 exercices, 35 secondes d'effort, 20 secondes de récupération. Si vous voulez partir sur un 4e tour, vous avez tous les exercices, vous pouvez y aller. Mais juste pour vous dire que 3 tours, ça suffit largement pour travailler. Exactement. Donc nickel, on va s'étirer un petit peu. Allez, on respire bien. On n'a pas besoin de faire redescendre le cardio puisqu'aujourd'hui il n'y en avait pas vraiment. Mais voilà, ça fait du bien de redescendre un petit peu. Pour partir en vélo non. Allez, pour la récup, c'est parfait. Même pour voir si vous arrivez à garder une fois par semaine en groupe des petits exercices comme ça. Ce sera forcément bénéfique sur le vélo. Ok. Allez, encore une jambe, on fléchit la deuxième. Les mains pliées sur la jambe qui est fléchie. Les mains posées sur la jambe qui est fléchie, pardon. Là, ça doit étirer la jambe gauche. L'arrière de la jambe gauche. Ok, parfait. On change. Légèrement fléchi, tout va bien, on est content d'avoir fait notre sport aujourd'hui. Le doigt arrondi, le menton rentré, loin devant. Allez, on s'étire tout derrière du dos. Allez, viens, allez, viens, allez, allez, allez. Ok, on se relâche tranquillement, on en fait une dernière. Allez, on inspire, on inspire. Et on relâche et on peut s'applaudir. Merci. Merci messieurs, j'étais du coup avec le vélo jeune aventure. Voilà, n'oubliez surtout pas d'aller les voir si vous êtes intéressé pour faire du VTT, la pratique en Normandie. Ils ont plein de spots, il y a plein d'endroits, ils vont vous faire découvrir ça. Merci beaucoup d'avoir répondu présent aujourd'hui. Merci. Et puis à très vite. Et nous, on se voit la semaine prochaine pour la nouvelle séance. Ciao. Nickel.